Bismillah ta'ala wa barakatuhu, chers parents, chers enfants, chers amis internautes qui nous suivez sur votre chaîne La Lumière Islamique. Nous avons le grand plaisir de venir avec vous évoquer aujourd'hui un sujet très sensible, très important pour tous les parents, un sujet qui traite de l'adolescence. Nous avons besoin aujourd'hui d'équiper les parents avec des connaissances pratiques sur l'adolescence. C'est un sujet qui nous touche tous. Nous avons des adolescents, soit à l'heure actuelle, où nous devons nous préparer quand nos enfants vont arriver à cet âge, à savoir comment gérer avec eux. Aujourd'hui, nous allons rentrer dans les détails de cette période sensible de la vie pour comprendre c'est quoi l'adolescence, comprendre également quels sont les problèmes auxquels les enfants font face pendant cette période de bouleversement extraordinaire dans leur comportement, dans leur façon de penser, dans leur façon de ressentir les choses, dans leur façon d'aimer ou de haïr, de se poser ou de s'opposer. Nous allons voir également ça et nous allons également voir quelles sont les difficultés que cela pose pour les parents, les difficultés que cela pose également pour la famille de façon générale, mais même au-delà de la famille, cette question va jusqu'à l'école, jusque dans la société. L'adolescence bouleverse pas seulement les relations dans la famille, elle bouleverse également les relations un peu en dehors de la famille, comme nous l'avons dit, aussi bien à l'école que dans la société de manière générale. Donc commençons à voir tout de suite c'est quoi l'adolescence. On a l'habitude de dire que l'adolescence est une seconde naissance. C'est comme si à nouveau la personne naissait. Et elle naît avec des bouleversements incroyables. À la première naissance, donc chez les bébés, il y a beaucoup de changements pour le bébé, c'est vrai. Il pleure, il ne connaît pas son environnement, il a besoin d'être aimé, d'être sécurisé. Quand c'est la période de l'adolescence, on parle d'une seconde naissance. C'est comme si d'un seul coup, la personne naissait à nouveau, dans le même monde qu'il connaît en réalité, le monde extérieur, mais avec un monde intérieur qu'il ne connaît pas lui-même, il ne se maîtrise pas. Les pulsions sont extraordinaires, on assiste comme à une explosion aussi bien dans sa tête que dans son cœur. Les sentiments se bousculent, les connaissances se bousculent, les repères se bousculent, les croyances elles-mêmes se bousculent. Vous voyez, les attitudes changent et l'adolescent est parfois isolé, il est parfois seul, il ne comprend pas ce qui lui arrive. Si on prend une des parties les plus sensibles de ce sujet, c'est les transformations au niveau hormonal, au niveau sexuel également. C'est un point très important que nous devons aborder en tant que parents, parce que c'est un sujet qui est à l'origine de beaucoup des autres changements que nous voyons pendant cette période. Donc, il y a énormément de transformations dans le corps de l'adolescente et de l'adolescent. Chez la fille, vous savez que c'est l'apparition des menstrues, donc des règles, avec les changements au niveau du corps. Chez le garçon également, on parvient à cette période de la puberté, avec tout ce que ça a de changements sur le plan, n'est-ce pas, des comportements sexuels. Donc si les parents ne sont pas outillés, ils auront du mal à comprendre comment accompagner les enfants pendant cette période de la vie. Si les parents n'ont pas une attitude d'écoute, de complicité avec leurs enfants, ils vont passer à côté de cet âge de la vie, alors que les transformations de l'enfant, ce n'est pas l'enfant qui les a demandées. Ces transformations s'imposent à l'adolescente, ces transformations s'imposent à l'adolescent. Donc, ce que le parent peut faire, il ne peut pas aller contre ces transformations. Donc, ce qu'il lui reste à faire, c'est d'accompagner ces transformations. Sur le plan, comme je l'ai dit, sur le plan des changements au niveau des organes génitaux, sur le plan des changements au niveau des comportements sexuels, le parent a besoin d'être à l'écoute parce que les enfants peuvent être un peu timides parfois pour aborder ces sujets avec les parents. C'est aux parents de se montrer ouverts pour pouvoir accueillir un peu ou pour quand même provoquer ces discussions. Donc il ne faut pas créer de tabou pendant cette période, parce qu'autrement, en tant que parents, on risque de passer à côté des informations que les enfants peuvent nous donner. Mais des fois, les enfants font l'effort d'aller vers les parents et de leur donner des signes. Parfois, vous entendez l'enfant vous dire « Ah, j'ai des poils qui poussent
Ah, j'ai, vous voyez, ainsi, ils vous décrivent un peu les changements qu'ils ont dans leur corps, les changements qu'ils ont également dans leur esprit. Et il faut saisir cette occasion-là pour créer de la complicité, que l'enfant sente que vous êtes disposé à les écouter. Vous voyez, autrement, vous passez à côté de cette occasion et les enfants vont chercher d'autres personnes avec qui ils vont parler de ces choses-là et vous n'avez aucune garantie sur ce que les autres personnes, ça peut être d'autres adultes dehors ou ça peut être également les camarades, ils se parlent entre eux. Vous ne savez pas ce que les camarades vont lui dire, vont lui conseiller de tester en termes d'expérience sexuelle, en termes de comportement dehors. Voilà pourquoi il ne faut pas prendre le risque de créer une distance entre vous et votre enfant sur ces sujets. Au contraire, il faut casser toutes les distances et se montrer très disponible à écouter l'enfant et à le comprendre pour pouvoir l'accompagner. Donc ça, c'est très important. Il y a des bouleversements au niveau psychologique, au niveau des croyances. L'enfant commence à essayer de s'imposer, à essayer d'imposer son point de vue. Il croit qu'il sait tout, parfois. En tout cas, il croit qu'il sait beaucoup. Il commence à challenger un peu son environnement, mais il faut dire ici, ce n'est pas la première fois dans sa vie que l'enfant commence à challenger l'environnement. Depuis la naissance, vous voyez, les enfants se sont toujours posés, vous voyez, comme les seuls qui existent vraiment. Ils sont, on parle de l'égocentrisme parfois de l'enfant, mais ils font comme si ce sont eux qui sont au centre du monde. Donc, ce n'est pas la première fois qu'ils se seraient comportés de la sorte. Mais disons que tout simplement à cet âge-là, le monde est moins disposé à les laisser s'imposer. Mais si nous établissons un rapport de force entre nous et nos enfants, nous allons tous, nous comme nos enfants, nous allons tous vers le mur. Voilà pourquoi quand, en tant que parent, je sens que mon enfant essaie d'imposer son point de vue, il faut que moi je trouve les moyens de lui montrer comment on pose son point de vue, plutôt que comment on impose son point de vue. Et la meilleure façon de montrer à nos enfants comment on pose nos points de vue, c'est que nous-mêmes, en tant que parents, ne soyons pas des parents qui dictons les choses, qui imposons notre point de vue, mais il faut que nous soyons nous-mêmes des parents qui amenons l'enfant à voir par le dialogue s'il s'est trompé ou s'il a raison. Je donne un exemple très concret. Si l'adolescent a raison, et il y a toutes les chances qu'il ait raison. L'information aujourd'hui, elle est disponible partout. Et nos enfants ont accès à l'information. Si l'adolescent a raison, il ne faut pas que le parent se sente mal parce que l'enfant a raison. Si l'enfant a raison, c'est la famille qui gagne. Si le papa a raison ou la maman a raison, c'est la famille qui gagne. Nous sommes une famille, nous ne sommes pas des individus isolés qui se rencontrent. Non, nous formons un système qu'on appelle une famille. Et si un élément du système a raison, c'est le système qui a raison. Donc personne ne perd. Mais si quelqu'un a tort et qu'il impose son point de vue, c'est tout le monde qui perd. C'est ça la réalité, y compris si c'est le parent qui a tort. Donc nous avons besoin de faire très attention, de ne pas imposer les choses. Pourquoi? Parce que pendant cette période de la vie où il y a un grand bouleversement sur le plan des comportements, sur le plan des attitudes, les risques de conflits et de ruptures de relations sont beaucoup plus élevés quasiment que pendant toutes les autres périodes de la vie. C'est que les risques d'implosion de l'enfant, c'est-à-dire que l'enfant accepte tout du parent et il rejette tout ce qui vient de lui, c'est-à-dire qu'il implose, on parle d'implosion, ces risques sont très élevés si le parent impose tout, si c'est lui qui dicte tout et s'il ne prend voyez, aucune subtilité dans sa relation avec l'enfant. Ça, certains enfants ont malheureusement implosé. Il y a d'autres cas pendant cette période où l'enfant va fuguer. On a ces cas-là. L'enfant quitte le domicile familial parce qu'il ne s'en sort pas. Il sait qu'il a, dans sa tête, en tout cas, il a raison, il n'accepte pas ce qu'on lui impose et il ne peut pas vivre dans un cadre où on lui impose des choses. Il est obligé de sortir du cadre familial pour aller voir un espace. Vous voyez? Parce que l'enfant a besoin d'espace. Quand je dis espace, je ne parle pas de la taille de la maison. Je parle de la taille du cœur des parents. C'est dans le cœur des parents qu'il faut créer un espace où les enfants se développent. Plus le cœur du parent est grand et qu'il peut accueillir l'enfant
avec ses contradictions, avec ses bouleversements, avec cette combinaison explosive de pensées parfois même contradictoires. Donc plus le cœur du parent est grand, plus l'enfant va se reconnaître dans le parent. Il va trouver de la stabilité dans le cœur du parent pour pouvoir être stable lui-même. En réalité, contrairement à un miroir classique, quand vous regardez un miroir classique, vous vous voyez tel que vous êtes. Mais si c'est le cœur du parent qui fonctionne comme un miroir, l'enfant va se voir non pas comme il est, mais il va se voir toujours bien. Il va se voir comme il a envie de se voir. Il va se voir comme il peut devenir quelqu'un de bien. Il va se voir comme il peut changer en mieux. Et il va se voir comme il a du coup les moyens d'être progressivement quelqu'un de meilleur. Parce qu'il faut savoir que l'enfant, on l'a dit, n'a pas choisi ces bouleversements. Ces bouleversements se sont imposés à lui parce que c'est un processus normal dans la vie. Donc ça veut dire qu'il est lui-même mal à l'aise, il ne comprend pas ce qui lui arrive, notamment dans les premières phases de l'adolescence. Il ne comprend pas ce qui lui arrive, il ne comprend pas tous ces bouleversements-là, et donc il n'est pas à l'aise. Peut-être qu'il n'a pas confiance en lui, peut-être qu'il doute, peut-être que vous voyez, il faut supposer énormément de sentiments parfois négatifs, de destruction même parfois de l'image de soi. Vous voyez, dans certains cas, les enfants ont les boutons qui poussent un peu sur le visage, les acnés. Je peux vous citer le cas d'un jeune homme à l'époque qui, à cause de ses acnés, a commencé à ne plus travailler à l'école. C'était un jeune homme très très beau, très très exubérant, très expressif et surtout très travailleur, toujours parmi les meilleurs élèves de sa classe, jusqu'à ce que arrive la période de l'adolescence, de la puberté, et que les boutons d'acné ont commencé à pousser sur son visage. Voyez, il a eu honte. Il a commencé à avoir honte. C'est un cas très très réel, ce que je suis en train de vous dire. Et il a commencé à se mettre derrière, vous voyez, au fond de la classe, parce qu'il avait honte. Voyez, il ne voulait plus que les filles le regardent. Il avait vraiment honte et il a arrêté progressivement de participer à l'école. Il a commencé à arrêter de parler. Une des conséquences dramatiques de ce qui est arrivé à cet enfant-là, il a commencé à bégayer. Il a commencé à bégayer. Donc son langage a arrêté d'être fluide. Et jusqu'aujourd'hui, c'est une personne respectable avec sa femme et ses enfants. Et pourtant, il a continué à bégayer. C'est pour vous dire parfois comment certains problèmes qui commencent à l'adolescence peuvent avoir des effets très durables sur tout le long de la vie s'il n'y a pas un accompagnement de qualité pour que nos enfants ne se sentent pas mal dans leur corps. Parce que c'est ça en réalité, ils se sentent mal dans leur corps. Et si l'environnement, notamment la famille, n'est pas bien équipé pour les accompagner, ça peut avoir des effets très très durables sur toute la vie de la personne. Donc c'est très très important de comprendre comment est-ce que nous avons besoin d'accompagner nos adolescents, mais surtout comprendre comment les problèmes de l'adolescence vont se manifester. Vous voyez. Donc, si on revient à ces manifestations et sur comment est-ce que le milieu familial peut prendre en charge ces enfants-là, nous avons parlé des problèmes sexuels, nous avons parlé des problèmes également qui sont liés aux différentes pensées, aux différents bouleversements psychologiques. Il faut voir comment ça se traduit en classe. Quand on va en classe, certains enfants, certains adolescents sont très exubérants. Ils sont très exubérants, ils veulent prendre les devants partout parce que c'est ça qui est en train ça bouillonne au fond d'eux. Il y a un grand bouillonnement de pulsions, il y a un grand bouillonnement de sentiments et parfois nos enseignants ne sont pas équipés, malheureusement, vous voyez, à entendre les messages des adolescents. Ils sont eux aussi, malheureusement, dans un rapport de force. Et beaucoup d'élèves sont exclus, non pas parce qu'ils sont mal éduqués, mais parce que simplement, il n'y a pas eu d'encadrement de cette période qu'on appelle l'adolescence. Beaucoup d'élèves sont en situation d'échec scolaire, non pas parce qu'ils ne sont pas intelligents, mais parce que simplement, il n'y a pas eu une vraie prise en charge de ces bouleversements qu'ils ont à l'intérieur d'eux, parce que l'école n'est pas équipée. Vous voyez, beaucoup d'élèves ont échoué aux examens pour les mêmes raisons. C'est-à-dire que, en réalité,
les compétences, les connaissances ou bien le potentiel de nos enfants est beaucoup plus important que ce que l'école peut poser comme challenge. Ça, c'est très clair. Les études en neurosciences ont montré que le cerveau humain dépasse largement le challenge que l'école peut poser. Il n'y a aucun doute là-dessus. Maintenant, si nos enfants viennent à avoir des problèmes à l'école, il faut qu'on aille comprendre comment ça se passe, notamment pendant cette période de l'adolescence. Et enfin, aux parents, il faut que nous disions la chose suivante. L'attitude du parent va jouer un rôle absolument déterminant pour accompagner cette phase critique de la vie. Pendant cette phase, les risques de s'adonner à la drogue existent. C'est très vrai. C'est une phase, nous l'avons dit, où l'enfant veut tester beaucoup de choses. Il y a les modifications sur le plan des comportements sexuels. Il y a les comportements addictifs. L'addiction à la drogue, elle peut commencer là. L'addiction, n'est-ce pas, à certaines substances, notamment l'alcool. C'est des réalités, notamment dans les écoles. Nous avons vu ça plusieurs fois et ce n'est pas nouveau. Ça fait des décennies que c'est comme ça dans nos écoles. Les risques d'amener de l'alcool à l'école sont bien là. L'addiction aux réseaux sociaux, à Internet, Facebook, tous ces réseaux-là, vous voyez, et aux jeux électroniques de manière générale, même si ça ne commence pas avec l'adolescence, c'est vrai. Malheureusement, c'est de plus en plus tôt. On voit même des enfants de 3 ans, n'est-ce pas, qui sont exposés à cette addiction aux objets électroniques. Mais à cet âge de l'adolescence, les effets sont beaucoup plus catastrophique puisque l'enfant va essayer d'imposer un rapport de force à la famille pour protéger son comportement, pour justifier son addiction. Vous voyez, donc si le parent n'est pas outillé pour prendre en charge, pour accompagner l'enfant et atterrir en douceur pendant cette phase de l'adolescence, soit la relation parent-enfant se casse ou bien l'enfant subit des choses et implose en acceptant tout du parent et en niant. C'est ça le grand problème. L'enfant va nier ce qui lui arrive au lieu de comprendre ce qui lui arrive. C'est-à-dire, il accepte qu'il n'a pas le droit de vivre certaines choses. Alors que ces choses qu'il vit, ce sont des choses naturelles. Vous voyez, l'accompagnement du parent ne doit pas être donc de dire à l'enfant ce qui t'arrive n'est pas bon. L'accompagnement du parent doit consister à lui faire comprendre que ce sont des choses naturelles qui t'arrivent, mais ça ne doit pas t'amener vers le mauvais chemin. Il doit vraiment s'agir de ça, de sorte que l'enfant accepte que ce qui lui arrive est naturel, mais qu'il accepte également la main tendue par le parent qui va l'accompagner pour ne pas tomber dans les travers, parce que malheureusement, beaucoup d'adolescents risquent de tomber dans les travers. Beaucoup d'adolescents sont tombés dans les travers. Donc ça veut dire au final, pour conclure, que les enfants et nous-mêmes en tant que parents. À la base, rappelez-vous, le Coran nous l'explique très bien. Nous étions tous créés au même moment. Quand Dieu nous a demandé, Alastu birabbikum, qalu bala, nous avons tous répondu. Et quand il a dit, ne suis-je pas votre maître, nous avons tous répondu, si, vous êtes notre maître. Cela signifie quoi? Cela veut dire que sur ce plan-là, toutes les âmes ont été créées. Ouais, et il fallait qu'elles descendent les unes après les autres pour que la vie ne commence pas une seule fois et qu'elle se termine une seule fois. Et ainsi, la famille est née. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une question de responsabilité. Les parents ont besoin de changer de perspective, de voir que c'est une question de responsabilité. Malheureusement, moi, je vois beaucoup de parents avoir non pas ces relations de responsabilité, mais ces relations de possession. C'est mon enfant, je suis ton père, je suis ta mère et tu dois faire ce que je te dis. Ouais, on n'est plus dans une relation de responsabilité d'une génération vers une autre génération parce que c'est dans les deux sens. Nous savons que les parents ont la responsabilité de s'occuper de leurs enfants et de tout faire pour que les enfants puissent être dans le droit chemin. De tout faire. Mais ça ne signifie pas que les enfants vont choisir le chemin que les parents ont tracé. Mais au moins, le parent aura fait tout ce qui était en son pouvoir pour donner aux enfants les bonnes informations et les lui donner par l'exemple. C'est-à-dire, c'est le parent lui-même qui se comporte de la meilleure façon et donner ainsi l'exemple à son enfant. Il y a également l'autre
partie de la responsabilité. Nous savons que les enfants ont le devoir également de s'occuper de leurs parents, d'être respectueux envers leurs parents, pour que eux-mêmes ils puissent bénéficier du même retour de la part de leurs enfants quand ils seront à leur tour parents. Ça, c'est de la responsabilité. Mais il ne s'agit pas de possession. Ce ne sont pas nos objets, ce ne sont pas les choses qui nous appartiennent sur lesquelles nous pouvons imposer tout ce que nous voulons. Et pour que la relation de responsabilité intergénérationnelle puisse marcher, il faut que cette relation soit pilotée à travers le dialogue. Il faut que nous arrivions à poser les choses par le dialogue, que nous puissions dialoguer où nous voulons aller. Imaginez que nous allions vers, nous prenions une voiture. Okay? Imaginez le papa et la maman disent aux enfants, montez dans la voiture. La première question que les enfants vont poser aux parents, c'est où est-ce qu'on va? On va où? C'est ça l'éducation. L'éducation, c'est un voyage que l'on fait ensemble. Et pour ça, les enfants posent là toujours la bonne question. Et les parents doivent toujours donner la bonne réponse. Quand les enfants vont demander aux parents, on va où? Les parents doivent être en mesure de leur dire, on va à tel endroit. Et ça doit se dialoguer avec l'enfant. Ça ne doit pas s'imposer. Parce que si les enfants n'ont pas envie d'aller là-bas, certains n'entrent pas dans la voiture. Et les enfants ne doivent pas entrer dans la voiture parce qu'on les a forcés. C'est un dialogue qui doit se faire. Le contrat familial, le destin familial, le projet familial, l'objectif familial, c'est des choses que l'on discute avec les enfants. Vous voyez, même si au final on fait tout pour les amener, mais c'est quand même à travers le dialogue qu'on veut amener nos enfants et toute la famille vers l'objectif visé. A fortiori, pendant cette période de l'adolescence, marquée par des transformations, des chocs dans la tête de l'enfant, des transformations dans son psychisme, dans sa façon de voir les choses, et même dans ses croyances même. Vous voyez, vous pensez que telle chose est importante pour vous, pour l'adolescent, il peut vraiment les challenger, voir est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est vraiment important, pourquoi vous pensez que c'est important. Et des fois, les enfants, les adolescents n'ont pas toujours tort. C'est une chance de la vie qu'il ne faut pas mal prendre. La chance de pouvoir questionner nos croyances, de pouvoir dire « Ah, vous pensez que ça c'est bon, mais est-ce que c'est vraiment bon ?» Ce n'est pas toujours négatif. Donc, les parents doivent ouvrir leur cœur pour pouvoir accueillir ces différents bouleversements de l'enfant et ça peut être un grand bien pour toute la famille. Donc, sur ce, nous vous donnons rendez-vous dans nos prochains épisodes pour poursuivre dans le même sujet. Nous vous disons « Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ».